Alors là, c'est très difficile. Oui, hein. C'est très dur, il faut regarder la caméra de face. On tourne de face. Qui me fait mal, et lui qui va aller mordre tout le monde. Vous savez, c'est un problème hein, d'avoir des enfants. Bon. Alors ça, c'est un chien qui s'appelle Casimir. C'est mon chien. Et c'est Casimir dit le grand bousiflard. Tu vas pas mettre trois plombes parce que moi, c'est... pour les tenir... Oui, hein, ben, oui mais alors on regarde la ouais, caméra, ben, on dit bon, bonjour. Ça, alors, ça, on dit bonjour à ses parents. Voilà, bonjour. Voilà, Casimir dit le grand bousiflard. Voilà, Roméo dit le Polac. Ça, c'est un croisement, un carrefour, mais c'est un brave toutou. Ça, c'est Nuage, voilà, qui essaye de foutre le camp. Et puis, l'aboyeur, le Pékinois, ouais. Benjamin. Voilà. Les caractéristiques principales du bousiflard. Le bousiflard est un chien assez velléitaire. Le vétérinaire, quand on est tout petit, m'a dit « Ah, il tient beaucoup du tervurène ». Effectivement, ça doit être un croisement d'hindou avec un belge. Il a quelque chose de belge dans sa façon d'aboyer, dans son léger accent. Effectivement, il a du belge, mais je continue à prétendre que c'est un bousifleur des Indes. À part ça, le bousiflard est un très bon joueur de football. Génétiquement, il est footballeur. Oui. Allez, chercher! Allez, venez! Ramène-le! Vous avez vu? Je joue bien, hein? Allez, allez. Vous croyez que c'est bon pour un chien de jouer au football, vous? Ah, c'est excellent, oui, le mien adore ça. Ah, mais il joue bien, vous savez, il goal, il est très doué, hein? Ouais, c'est chouette, vous avez c'est pas fait pour jouer au football, les chiens. De toute façon, ici, c'est les enfants qui jouent, c'est pas les chiens. Mais regardez! Regardez, il n'est pas heureux, ce chien, là. Hein? Non, d'accord, au rugby, d'accord, un chien au rugby, mais au football, non. Mais pourquoi pas au football, parce qu'au football, un chien n'est pas fait, monsieur, physiquement, c'est pas fait pour ça, un chien. Pardon, un chien, ça peut... Un chien, c'est fait pour... Bon, d'accord, bon, vous êtes... Bon, mais pas au football. Mais pourquoi pas au football, parce qu'un chien, c'est pas fait pour jouer au football, monsieur. Oh, non, mais écoutez, vous avez... Alors, on n'a qu'à foutre un chien à la place de Platini, mais... et vous verrez, la Coupe du Monde, on l'aura dans l'os. Non, pas... Oh, bah, c'est pas sûr, c'est pas c'est évident, ça, parce que Platini, hein... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup à dire là-dessus. D'accord, vous allez... Regardez mon chien, mais vous me dites le rugby. Non, je vous dis que ce chien, c'est pas fait pour jouer au football, monsieur. Comment voulez-vous faire les plaquages, hein? Mais d'abord, c'est très difficile. C'est qu'un chien peut gauler, vous comprenez? Un chien peut gauler. Mais morphologiquement, il peut gauler. Essayez d'aller à la pêche avec un chien, tiens, vous verrez ce qu'il vous arrivera. Faites une mêlée avec des chiens. Essayez de la faire, c'est pas possible, ça tient pas debout. Mais moi, j'ai connu pas du tout, mais j'ai connu des chiens qui faisaient des mêlées. Vous me dites des choses stupides à ce moment-là. Pourquoi pas au ping-pong, vous comprenez? Ah, bah, à ce moment-là, où allons-nous? Un Pékinois, il joue très bien au ping-pong. Oh, bah, évidemment, un Pékinois. Non, enfin, de toute façon, un chien, c'est pas fait pour jouer au football. D'accord, alors, bon, allez, viens, rapport. Ça, c'est un Pékinois de pure race, entièrement démontable. Ce qui est bien pratique pour les voyages, parce qu'on peut le mettre dans une valise et on le refait à l'arrivée. Je ne suis pas sûr d'avoir bien refait au dernier voyage, parce qu'il a tendance à marcher un peu de travers. Mais enfin, il se nourrit, et ça fonctionne. Il aboie généralement après n'importe quoi. Alors, le Pékinois, alors ça c'est beaucoup plus simple. Je suis allé chez la marchande, je lui ai dit, marchande, madame la marchande, je voudrais un Pékinois. Elle m'a dit, oui monsieur, combien de kilos? Alors pof, et puis voilà, j'ai fait mon chèque et c'était tout, parce que c'est un vrai Pékinois. C'est un pur race. C'est un très beau Pékinois. Comment peut-on avoir ça chez soi? Enfin, c'est... Vous avez quelque chose à dire? Non, rien. Non, mais parce que je suis chez moi ici quand même. J'étais arrivé sous les roues de la voiture de ma femme. Elle rentrait un soir et elle a vu cette petite chose, cette forme, ce,
sauté devant ses roues, alors elle a pilé sec. Elle est descendue, elle a essayé de l'attraper, il est parti. Elle lui a couru après, il est allé se planquer. Bon, bah, elle a dit, bon, bah, ce chat avait envie de se suicider. Alors, elle est remontée dans sa voiture et au moment où elle montait dans sa voiture, elle a vu Nuage derrière, qui l'avait resuivi. Alors, elle l'a mis dans la voiture et depuis, il ne nous a plus quittés. Vois-tu ? Tu as compris ? Bon, va bien. Et ma belle-sœur, nous étions en vacances et un jour arrive à Sainte-Maxime et voit sur la place de Sainte-Maxime un chien qui était en train de mourir. Il mourait littéralement de faim, il tenait plus sur ses jambes et alors elles se sont renseignées. Ce que vous entendez en ce moment n'est pas un Boeing, c'est mon Pékinois. Et elles se sont renseignées à qui appartient un chien et il y avait un boucher qui était là, le chien était à 10 mètres en train de mourir. Et ils disent, mais ma femme lui dit, mais vous connaissez ce chien? Oh, c'est pas, il est là depuis 15 jours. Mais vous lui avez pas donné un petit peu à manger, vous voyez qu'il meurt de faim. Ah ben, il est pas à nous, ce chien. Bon, on l'a sauvé, on l'a ramené, et maintenant il va très bien, merci. Il y en a marre. Ouais, des kilomètres pour un pipi. Alors dis donc, hein. Je fais pas des kilomètres, ma pas quand je vais aller. Vous pouvez pas l'attacher, votre chien? Ah ben, pourquoi? C'est un parc ici. Ben, c'est un parc, c'est un parc. Et il a pas le droit de marcher, mon chien? Ben, il peut marcher attaché quand même. Comprenez, moi j'ai mes enfants qui jouent là-bas. Hein? Ils sont là, vos non, enfants? Non, ils sont pas alors, là. Ils gênent vos enfants? Ben, ils sont pas là, mais ils pourraient être là, vous comprenez? Ben, vous alors... pourriez très bien les attacher, vos enfants. Pourquoi les attacher, mon chien? C'est du racisme, ça. Mais pas du tout, c'est du racisme. Les enfants, c'est des enfants, un chien, c'est un chien. Bon, d'accord. Un chien, c'est un chien, mais quand t'as un enfant, un camembert, c'est un camembert. Mais un camembert, qu'est-ce que les camemberts viennent faire? C'est pour dire. Moi, j'ai déjà vu me promener en laisse avec un camembert, moi. Mais j'en sais rien, monsieur. Mais d'avant, un camembert, ça mord pas. Ça mord pas. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez déjà fait mort par un camembert, moi? Non, mais par un quart de brie. Ah, ça, alors. Bah oui, alors là. Alors là. Alors là, bien sûr. Non, mais c'est bien la France, ça. Vraiment, c'est la porte ouverte à tout. C'est n'importe quoi, des camemberts dans les... Que j'ai jamais demandé à avoir un chien, moi. Monsieur, votre chien... pauvre bête, il l'a attaché, même. C'est pas malheureux, quand même. Un chien attaché, c'est fait pour être libre, un chien. Il vous sort combien de fois par jour, chien? Ah, ben, il me sort... ça dépend. Quand il pleut, il me sort deux fois. Oui. Mais il m'essuie bien, après. Ah, oui. Vous prendrez bien un peu de poil avant de partir. Oui. Ça va, Barta? Oh, ça va. C'est beau, hein? Il trouve que je tire trop. Ah bon? Mais vous savez que, quand même, je vais vous dire... Oui. Bon, vous avez quelque chose? Non, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute?